Salut les confinés, c'est Lionel Tarantino. Voilà, en direct de mon lieu de confinement. Donc, j'espère que tout va bien pour vous. Et voilà, quelques petites questions pendant notre confinement. Donc, où je suis, je suis chez moi, à Saint-Pierre-d'Ichrub, à Ichibourou. Je passe sur le Pays Basque. Je passe mon confinement avec ma femme. Ma femme qui bosse à l'hôpital de Bayonne, qui est infirmière puéricultrice. Donc, en ce moment, on a vraiment besoin d'eux. Et voilà, on se voit pas beaucoup. Mais je suis très fier d'elle. Elle bosse fort. Donc, voilà. Au moment, pas grand chose. Pas grand chose. Comme tout le monde, Netflix. Netflix, un peu de PlayStation avec les copains de l'équipe, voilà. J'ai pas fait grand chose, des séances de temps en temps à l'appartement et j'essaie d'aller au stade qui est pas très loin de la maison, mais voilà. Alors qu'est-ce que ça m'apporte? Franchement, le manque de sortir, c'est sûr, le manque de la famille. J'avais prévu de rentrer sur Toulouse pour aller voir ma famille au fin mars, début avril. Et voilà, malheureusement, on ne pourra pas. Puis aussi voir les copains, quoi, les gars de l'équipe. On a passé quand même presque 8 mois ensemble. Dans ces moments-là, tu comprends que tes copains et tout, ça t'apporte beaucoup aussi. Mais c'est tout ce que je peux dire, c'est que voilà, ça te montre à quel point la famille et les copains, c'est important. Un film ou une musique à conseiller, les films, j'en ai vu pas mal sur Netflix en ce moment. J'en ai pas vraiment un en particulier. Après, c'est les goûts et les couleurs, donc je sais pas trop. Moi, les trucs de sport, tout ça, ça me tente bien. Voilà, c'est plus les films comme ça que je vais regarder. Donc, la première chose que je vais faire en sortant du confinement, je pense que je vais partager un bon resto avec ma femme. Parce que, d'un, elle aura bien mérité. Et deux, je pense que, voilà, je vais ma première sortie, il faut que ça soit avec elle. Donc, voilà. Ensuite, c'est une chose que je dois faire depuis un moment. Il y a un mois et demi par là, il y a monsieur Kevin Mazot qui s'est décidé à jouer au hockey et qui est venu me mettre un beau coup de coude. Et voilà, le travail. Voilà, un bon sourire, un très beau sourire. Après, c'est les aléas du hockey. Je dois aller au dentiste. Un message à faire passer. Faites attention à vous. Surtout restez chez vous, vraiment sortez que pour les choses importantes, les courses, si vous avez besoin d'aller à la pharmacie, mais déconnez pas, vraiment restez chez vous et puis comme ça on se verra sûrement plus vite à la patinoire, comme j'ai dit, ou par là, ou autour d'une bière, ou comme vous voulez, mais surtout restez chez vous pendant le confinement et on se verra encore plus heureux à la fin de tout ça. Allez, salut.